World Wrestling Federation. Mais c'était double B. Double B, c'est justement ça qui m'a sponsé. Double B pour Vachon. Parce que Mad Dog Vachon va être tué, va être obligé d'être doublement bon pour triompher contre les adversaires qui viennent du sud, notamment des États-Unis. Et c'est les noirs que moi et toi, dans le passé, on n'a pas fait trop bon ménage. Mais laissons nos luttes faites-cette à côté. Et je sais une chose, que lorsque j'ai commencé dans le métier de la lutte, un métier grand, parce que les gens se souviennent seulement, on se souvient seulement que des gagnants. Et je me rappelle avec des buts que j'en ai mangé des volets. J'en ai mangé des bottes. On m'a cassé les dents. On m'a fracturé le larynx. Combien de fois que j'ai été à l'hôpital. On me dit qu'à mes débuts noirs que Maurice Vachon dans ce temps-là, c'était pas Mad Dog. Maurice Vachon, il manque quelque chose pour la variété dans la lutte. Et pour vous dire une chose, j'ai été décidé de réussir et je crois que j'ai prouvé mon point. En 1948, comme tu sais, moi, j'ai représenté mon pays, le Canada, aux Jeux Olympiques. On me dit que j'étais pas assez gros, que je ferais jamais de rien. J'ai battu aux Jeux Olympiques à Londres, là j'étais le champion des Indes dans 22 secondes. Et ensuite, au Jeux de la vie, mais ça n'est qu'un. En Nouvelle-Zélande, j'ai gagné une médaille d'or, j'ai gagné trois fois le championnat du Canada amateur. Et depuis ce temps-là que j'essaye, et je me passe en scène pour représenter les Canadiens français partout à travers le monde. Y'en a qui ont tout essayé de manger la laine sur le dos, mais ils n'ont jamais réussi. Et tant que j'ai une goutte de sang qui va me couler dans le corps, y'a personne. C'est qu'à partir, y'a personne qui va réussir, qui vient des États-Unis ou d'ailleurs. Bien, on a entendu.